Nous sommes toujours dans notre reportage sur Haïti. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer un jeune évêque qui a 17 ans de sacerdoce et 8 mois et quelques jours d'épiscopat. Alors, il s'agit de Mgr Glandas Marie-Éric Toussaint, qui est l'évêque auxiliaire de Port-au-Prince. Et en même temps que Mgr est évêque auxiliaire de Port-au-Prince, c'est aussi le directeur de la Caritas de Port-au-Prince. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est que la Caritas, c'est un peu comme nous avons au Canada, l'organisme Développement et Paix. Vous savez que nous sommes dans un pays plus défavorisé, hein, où nous pouvons aider des pays qui sont en voie de développement, comme Port-au-Prince, comme Haïti. Et ici, on a vu depuis le début de notre reportage qu'il y a eu, vous le savez sans doute, hein, vous le savez aussi, qu'il y a eu un tremblement de terre important ici, qui ont laissé le peuple et l'Église dans un état où on a besoin vraiment d'aide, de collaboration et de notre organisme catholique des évêques canadiens Développement et Paix. Et là, justement pour ça, et nos évêques ont mis ça comme priorité, l'aide en Haïti cette année. Alors, bienvenue à l'émission, Mgr Toussaint. Merci beaucoup. Et on a dit, vous êtes prêtre, vous êtes d'origine haïtienne. Ah oui, je suis né au pays, en Haïti, je suis haïtien. Je travaille dans l'archidiocèse de Port-au-Prince depuis mon ordination sacerdotale. Avant, j'étais séminariste, j'étais ordonné prêtre le 13 novembre 1994 par Monseigneur Joseph Lafontaine. Et puis, vous êtes un jeune évêque, 8 mois d'épiscopat. Ah oui, encore, et c'est Monseigneur Lafontaine. Et qui m'a accueilli au séminaire, c'est lui qui m'a ordonné diacre, et c'est lui qui m'a ordonné prêtre, et c'est lui qui m'avait consacré évêque le 26 mars 2011. Et est-ce que c'est suite un peu au décès de Mgr l'archevêque, il y en a un autre qui a été nommé archevêque, j'imagine, et il y avait besoin de collaborateurs nouveaux, est-ce que ça s'inscrit dans cette dynamique-là? Oui, je pense que c'est dans cette dynamique, parce que nous avons nouvel archevêque, c'est Mgr Guy Pollard qui était évêque du diocèse des Cayes. Et au moment de son intronisation dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, le pape m'a appelé pour me nommer évêque auxiliaire, son auxiliaire, pour collaborer, pour travailler avec lui et pour dynamiser ce diocèse. Et quelle était votre réaction en apprenant que vous étiez nommé évêque auxiliaire de Port-au-Prince? Bon, ma première réaction c'était de la pleure. Bon, c'est pas des pleurs de joie, mais des pleurs d'émotion parce que je ne m'attendais pas à être évêque. Je pense que c'est une lourde tâche, c'est une grande mission, une lourde tâche parce que être évêque aujourd'hui, on a une grande responsabilité et surtout en Haïti avec la situation que connaît notre peuple. Et justement, quand vous êtes arrivé au début de votre ministère presbytéral, dans les 17 ans que vous avez été, pas 17, 11 ans, vous avez été prêtre, là. Qu'est-ce que vous avez exercé comme ministère? Bon, 17 ans de sacerdoce parce que j'ai travaillé d'abord comme vicaire à la paroisse de la cathédrale de Port-au-Prince. J'ai passé 5 ans et 4 mois comme vicaire à l'église mère de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Après, j'ai été nommé par Mgr Joseph Serge Mio, curé dans une paroisse de campagne à Font-Baptiste du côté de l'Arcaïs, c'est à 1500 mètres de hauteur au niveau et de la mer. Et ensuite, j'ai passé 4 ans et 10 mois à Font-Baptiste. Et après, de Font-Baptiste, j'ai été nommé comme curé à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption et à Petit-Gouave. J'ai passé 2 ans et 8 mois. Et tout de suite, j'ai été appelé pour prendre la charge comme le nouveau curé de la cathédrale de Port-au-Prince en 2008. Et ensuite, au moment d'avoir été nommé comme curé de la part de la cathédrale, j'ai été appelé pour un nouveau poste comme le nouveau directeur de la Carita de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Voilà. Et vous avez vécu le séisme, nécessairement le grand tremblement de terre, ici, à Port-au-Prince, en Haïti. Où étiez-vous à ce moment? Bon, à ce moment, j'étais du côté de chez moi, c'est à Fort-Jacques, c'est dans la hauteur de Pétionville. Mais j'ai ressenti les secousses, mais je pensais que c'était une faille du côté
et qu'est-ce qu'offre, parce qu'on parlait de ça assez souvent. Et pourtant, après avoir célébré les funérailles, j'ai pris ma voiture pour descendre en ville pour savoir ce qui se passait. Et en arrivant, j'ai vu que c'était un séisme, un terrible séisme. C'était la désolation, c'était vraiment écœurant de constater ça. Et je m'étais précipité pour aller à l'archevêché, pour voir si l'archevêque il était là. Et en arrivant sur la cour de l'archevêché, et je faisais face à, avec son cadavre qui gisait par terre, et puis c'était la mort de l'archevêque. Ensuite, il y avait un vicaire général qui était sous les décombres. On a essayé de pouvoir le faire sortir, mais malheureusement, on n'a pas eu les moyens techniques, on n'a pas eu de matériel approprié. Et après 8 jours, il était mort. Et je me mettais aussi au feu au moulin pour pouvoir transporter les cadavres et les survivants surtout. Les survivants surtout, parce qu'il y a eu beaucoup de survivants et sur le site de l'archevêché, dans le bâtiment administratif et à l'intérieur de la cathédrale. Il y avait une maison religieuse, une communauté religieuse, c'est les filles de Marie qui sont encore des paroissiennes de la cathédrale. Il fallait venir à leur secours. C'était vraiment un travail de titan. Je me demandais comment pouvais-je réaliser cela, parce que je ne peux pas comprendre ça. Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre ça, parce que on avait vraiment du pain sur la planche. Et est-ce que vous êtes capable de décrire les conditions de la mort de l'archevêque? Comment est-il décédé, dans le fond, de façon aussi rapide? Bon, parce que l'archevêque, il était sur le balcon de l'archevêché, il se préparait pour une rencontre avec les nouveaux prêtres. Il y avait l'ordination sacerdotale le 27 décembre 2009. On préparait les examens ad audientes pour les nouveaux prêtres. Et ensuite, c'est en préparant ces examens-là. Et puis, à 4h45, c'était... Oui, il est tombé du balcon de l'archevêché, et puis il y a eu un véhicule qui était sur la cour, du balcon du véhicule, et puis c'est par terre. Et puis la maison était totalement effondrée. Et maintenant, justement, si on parle de la situation actuelle en Haïti, autant au point de vue humanitaire que spirituel, comment vous la décririez? Bon, d'abord, je parle de la spiritualité. Jusqu'à présent, et la foi est debout. Je me rappelle, il y avait un journaliste qui m'avait posé cette question. Monsieur le curé de la cathédrale, qu'en pensez-vous? Parce qu'aujourd'hui, votre cathédrale est effondrée. Et que feriez-vous avec vos fidèles? Et je lui répondais, la cathédrale s'était effondrée, la cathédrale s'est effondrée, mais la foi est debout. Et jusqu'à présent, la foi est debout. Et le peuple prie, le peuple cherche Dieu. Le peuple croit en Dieu. Bon, à côté de la foi, il y a l'humanitaire. Oui, l'humanitaire, parce que après le séisme, Haïti reçoit beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide, mais on ne voit pas les résultats. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement de l'humanitaire, mais il faut aider le peuple à sortir de son carcan, à sortir de sa situation qui est extrêmement difficile. Nous constatons aussi aujourd'hui, après le séisme, il y a une pullulation des ONG en Haïti. Et ça ne renforce pas la capacité économique du pays, ça ne renforce pas la capacité productive du pays. Au contraire, ça baisse la situation. Il faut que le peuple arrive à prendre en main son destin, arrive à prendre en main et son avenir, arrive à prendre en main la reconstruction de son pays. Parce que les évêques de la conférence épiscopale haïtienne le disent dans le message de Noël, il ne faut pas attendre des cadeaux, maison en cadeau, route en cadeau, sécurité en cadeau, logement en cadeau, bâtiment administratif en cadeau, mais nous devons nous préparer afin de prendre en main notre destin. Et à ce côté-là, est-ce que vous avez de l'espoir que ça vienne dans un temps là relatif? Oui, moi personnellement, je pourrais dire même plus que d'espoir, même l'espérance, parce que on ne peut pas ne pas grandir, ne pas avancer, et Haïti ne peut pas rester aujourd'hui dans cette situation.
Parce que c'est vrai, il y a la communauté internationale qui tient, qui veut nous aider. Nous voulons la remercier pour son support. Nous voulons la remercier pour sa participation, pour ce qu'elle nous donne et ce qu'elle continue et à nous donner. C'est bien, c'est très positif. Mais encore plus, il faut nous accompagner aussi pour aider ce peuple à sortir de l'assistanat. Mais au moins à entrer dans un développement durable, à entrer au moins dans un développement filière pour pouvoir développer ce pays. Bien, à son avis, ça nous prépare bien la question de développement et paix et de caritas. Là. Alors, quel genre d'accompagnement ou de collaboration? Vous dites qu'il y a une prolifération d'ONG, ce que nous avons vu nous-mêmes dans notre propre reportage depuis que nous sommes arrivés. Mais alors, quelle est la voie d'avenir, justement, dans cette collaboration? Et les évêques canadiens vont venir au niveau de développement et paix. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui serait l'accompagnement le plus souhaitable? Bon, au niveau du développement et paix, avec l'accompagnement que nous recevons avec la Caritas diocésaine de Port-au-Prince, je dois vous dire sincèrement, c'est vraiment un accompagnement positif. Et je remercie l'équipe du développement et paix et la conférence des évêques du Canada pour leur apport, pour leur support à la Caritas diocésaine de Port-au-Prince et d'autres organisations haïtiennes qui reçoivent de l'aide entre la main du développement et paix. Avec développement et paix, nous avons un projet dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. On appelle ce projet DRI, c'est développement rural intégré. Et lorsqu'on parle de développement rural intégré et avec développement et paix, c'est la durabilité. Nous accompagnons les paysans au niveau de l'animation, au niveau des boutiques d'intrants, au niveau de conservation de sol, et on va faire des pépinières, reboisement, etc., correction des ravines, et des boutiques entrants pour soutenir, pour renforcer les OCB, organisations communautaires de base. Il y aura construction de dispensaires, des centres de santé. Je pense que c'est un projet durable, c'est un projet pour 3 ans. Je pense qu'avec développement et paix, on a déjà donné le ton, on a déjà commencé et on va arriver à ce que dans nos rêves, une Haïti prospère, une Haïti renouvelée, une Haïti et constructive, une Haïti productive. Et pour ceux qui regardent ce reportage-là, il faut dire que le 5e dimanche du Carême au Canada est consacré à développement et paix. Ce que les personnes offrent dans les offrandes ce dimanche-là est réservé à développement et paix. Alors déjà, on peut espérer, si jamais vous visionnez ce reportage-là, le 2 dimanche avant Pâques, ça sera une belle occasion d'aider l'émission d'Haïti. Et aussi, on peut faire parvenir des dons à développement et paix pour la cause de Caritas Haïti. On peut l'envoyer directement au bureau de développement et paix à Montréal. On peut l'envoyer aussi ou dans les paroisses ou le diocèse. Pour nous, je parlerai du diocèse de Joliette parce que c'est le mien. Alors, on vous fait parvenir ça au boulevard 2, Saint-Charles-Borromée-Nord, à Joliette. Je vous donne le numéro de téléphone également, 450-753-7596. Je le répète, 450-753-7596. Même si vous n'êtes pas du diocèse de Joliette, je parle pour le bien parce que c'est là où je suis en lien, mais si vous êtes de Beauce, parce qu'on fait un reportage avec des gens de Beauce, il y a le diocèse de Québec qui fait la même chose, et partout où vous verrez ça, là, vous avez seulement qu'à téléphoner à votre évêché en parlant que c'est pour un don pour développement et paix. Vous avez le projet maintenant comme crédible, comme Monseigneur vient de parler. Et puis, le Canada est très présent, je pense. Comment vous voyez ça, la présence canadienne, justement? Ah, je pense que le Canada était toujours là, depuis avant le séisme, parce que, je me rappelle, du côté de Kinskoff, il y avait ACANU, l'Association québécoise pour le développement des Nations unies, qui donnait son aide. Et puis, après chaque cyclone, le Canada était toujours là. C'est l'un des partenaires
d'Haïti. Je pense qu'encore après le séisme, ils sont là. Je tiens à remercier l'équipe du développement Épin, avec Paul et avec Yvan, les autres personnes qui nous accompagnent en Haïti avec leur bureau. Encore une fois, je les remercie et puis je les transmets aussi toutes nos salutations et toutes nos gratitudes. Alors, les salutations vont parvenir sûrement parce que dans notre reportage vidéo, nous faisons la promesse que nous allons en envoyer une copie aux gens de développement Épin. Je vais, c'est notre réalisateur me fait signe, hein, de ne pas prendre de responsabilité pour les autres. Alors je prends la responsabilité de faire parvenir un reportage aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dès notre retour, aux des responsables de développement Épin du Canada qui sont situés à Montréal. Je passerai peut-être par notre évêché à nous, à nous autres, ou directement là-bas. Ah, de toute façon, nous vous remercions beaucoup, beaucoup. Ah oui, c'est à moi de vous remercier. Et puis, encore une fois, l'équipe du développement Épin, je les remercie. Et puis, je peux leur dire d'aller au large, hein, avec nous. Et à vous aussi d'aller au large dans la foi et beaucoup d'espérance pour un monde plus juste et plus fraternel. Alors, merci Monseigneur Toussaint, là. Ça va, merci beaucoup. Merci.